Toujours dans la dynamique de l'excellence et de l'innovation, afin d'offrir aux patients les meilleurs soins de qualité, la Faculté des sciences de la santé de l'Université de Lomé et la Polyclinique Le Cœur ont organisé une masterclass sur la chirurgie thoracique, vidéo assistée uniportale. Les experts venus du Maroc et de l'Espagne ont partagé leur savoir-faire avec les participants. Compte rendu, Gisèle Soussou et Zahid Dimso. Opérer les patients sans trop d'encombre et de douleur, c'est l'objectif de la masterclass organisée par la Polyclinique Le Cœur et la Faculté des sciences de la santé, ce 28 et 29 avril, dans la salle de conférence de la Polyclinique Le Cœur. C'était en présence des docteurs, chirurgiens, anesthésistes et des professeurs venus du Maroc et de l'Espagne, porteurs de cette technique d'opération thoracique. C'est une révolution médicale en faveur des pays africains pour une opération réussie des patients. C'est un masterclass pour la vidéochirurgie thoracique uniportale. En fait, c'est une voie d'abord, c'est une façon d'opérer les poumons en faisant une petite incision de 3 cm sans mettre d'écarteur et en mettant une caméra et les instruments dedans pour que le patient puisse récupérer le plus tôt possible et puisse ne pas avoir de séquelles chirurgicales. Je parlais avec les chirurgiens et mon ami Boubia que nous serons capables de développer et d'offrir la base ici. Cela pourrait être une approche de base parce que nous avons pour mission de diffuser notre technique dans différents pays. Nous avons été en Mauritanie, au Gabon, alors nous avons décidé pourquoi pas le Togo. Les chirurgiens ici sont très ouverts et ils sont très excités à apprendre cette nouvelle technique pour leurs patients. Pour le directeur général de la polyclinique Le Cœur, offrir un service de qualité à un coût alléchant aux patients est leur première motivation en accueillant cette masterclass. Aujourd'hui, nous, cette masterclass nous a vraiment permis de voir ce qu'on fait aussi à l'extérieur et de le ramener à Lomé à un moindre coût. Aujourd'hui, nous, notre objectif, c'est de pouvoir minimiser les coûts pour pouvoir permettre à la population d'accéder plus facilement à des soins, surtout de qualité. Cette technique d'opération a été utilisée pour opérer une patiente en phase avancée de la tuberculose. L'opération a été une réussite. Elle a eu une résection de tout un poumon, c'est le poumon gauche qui était détruit, parce que c'est une patiente qui a eu une tuberculose. Donc elle souffrait, elle crachait du sang, elle avait des crachats tout le temps, elle avait des douleurs. Donc on lui a fait une intervention à travers une petite incision de 3 cm seulement, avec une caméra, et on a enlevé tout le poumon, c'était très difficile, mais là vous voyez le résultat. Je suis très heureuse aussi actuellement, je vais bien grâce à Leblanc là. Ils ont fait une technique qui est très géniale quoi, moi-même je n'ai jamais vu comme ça. Pour note de rappel, le Togo est le 126e pays à bénéficier de cette technique d'opération thoracique.